Bonjour à toutes et à tous, nous revoici sur Don't Starve, épisode 7. Le petit chargement qui va bien, parce qu'en fait, voilà, petite agression. Petite agression qui va arriver, et du coup, peut-être se faire une armure quand même, hein, parce que j'ai plus que 19. 19 de mon casque. Et 70 points de vie, accessoirement. Donc on va les attendre gentiment. On attend près de l'igloo, limite. Tant qu'il s'en va pas. Peut-être moyen que ça repop. Hein. Alors faudrait que ça repop après que j'ai tué les chiens. Il faudrait que je regagne de la vie entre deux. Voilà, on a compris, c'est foireux quoi. Bon, arrêtez d'aboyer là ou de grogner. Et venez, bande de chiens démoniaques. Ah, peut-être sur le chemin. Esquive. Non mais tape pas là, finis le premier quoi enfin. 54 points de vie. Ah, ils sont nombreux, ils sont nombreux. 46 points de vie. Mais ils sont finis. Ah du coup ouais, le morse quoi. Le morse s'il revient j'ai pas assez de points de vie. Mais non, pas ça. Ça. Oh, l'armure quand même. Mais non, il faut attendre au moins une journée ou deux. Mais est-ce vraiment la fin de l'hiver? J'aurais dû me réchauffer près de mon feu, je viens de le voir s'éteindre. Ah non mais on est complet. Ouais, on va couper 2-3 arbres, on va rester à côté. C'est jamais, il peut nous tuer. S'ils sortent, ils peuvent me tuer. 46 points de vie, ouais, faudrait peut-être que je fasse quelque chose pour ça, mais quoi? On a pas grand chose à proximité. Et là je me barre et c'est fini, l'igloo va se barrer. En même temps c'est voilà, c'est l'après-midi. Donc dans tous les cas les morses sortent seulement le matin. Ah, un Gears, voilà, on chope un Gears et on se refait direct. Non mais j'ai bien trop de conneries sur moi. Reviens! Il voulait se barrer lui! Il m'a vu! Ça vole de partout! Ah mais non, mais j'en voulais pas de ces conneries! Qu'est-ce que je fais là quoi? Je devrais rentrer à ma maison! J'ai encore trouvé des trucs pour le roi cochon que je pourrais jamais prendre. Après, de l'or, on en a. Viens, mais non, pas le cactus enfin. Vas-y, t'y es presque. De la merde. Oui, donc je voulais aller par là parce que je me suis dit, il reste un petit coin à visiter. Pourquoi pas? Sur les vautours, hein, qu'on pourrait se faire. Ah, des dents de chien, on en chope bien. Pas mal. Qu'est-ce que c'est? Qui m'attaque? Non, mais tu m'emmerdes. Mais. Meurs. Mais non, mon buisson. Putain, le moustique. Eh, il m'a baisé. Il m'a baisé. Alors, le moustique. Est-ce que je peux me heal? Ouais, je peux me heal. 62. 70.
C'est ici, un petit coin noir. Faut quand même aller voir, on sait jamais. Ah, j'ai eu de la chance hein, niveau niveau Gears, parce que maintenant on n'en chope plus. Oh ouais, la baise. Jamais, il n'y a jamais de Chester ici. Oui, oui, c'est ça que je cherchais. La pierre thermale 13%, mais est-ce qu'elle tiendrait pour la fin de l'hiver? Ce serait bien. On va retourner à l'igloo. Et oh, je suis à 71 points de vie. Hein. Large. Et après, bon, bah, s'il n'y a rien, si ça a disparu, bah, on se casse. Parce qu'il va falloir se préparer pour la prochaine saison. Accessoirement. voilà. J'ai même pas eu le temps de le dire. Il va pleuvoir, j'allais dire. Et voilà, ce personnage. Petit problème avec la pluie. 69 points de vie. Ouais, je perds un point de vie tout, de temps en temps. Ah. Ça, en revanche, je m'y attendais pas. Bah mais le petit bois après tout. On claque tout. On se réchauffe un peu. 58 points de vie, ouais on va retourner à la maison. Hein. Elle est où la maison d'ailleurs? Un peu loin. Ah mais je garde mon casque de lumière, bien joué. Bien assez attendu. Ah voilà, l'igloo c'est foutu. Donc on se casse. On se casse, mais on se casse par où? Par là. Il y a les chiens, il y a... c'est vraiment pas le bon chemin. 53 points de vie. Il faut y aller. Le chemin, on est bon. S'il n'y a pas une grosse bête sur le chemin. Il y a de la grosse bête. Il y a la petite bête, la grosse bête, toute taille de bête. Oh la vache. Il est où mon camp? Par là. Je vais pas mourir par la pluie quoi, arrêtez de déconner. Putain, on aurait été si bien avec un gear. Putain, mais viens ici, papillon de malheur. Mais je vais te détruire. Qu'est-ce que c'est? Mais vous déconnez? Sérieusement? Mais merde! Mon camp, là-bas. Non mais reste loin! Reste loin de moi, toi là! Ah putain, il m'a fait flipper ce con, il m'est tombé dessus! D'un coup d'un seul! Impossible de voir ça! Ah ouais! Je dis oui! Je dis oui! Mais voilà! Voilà, je sais plus où je suis, mais je dis oui. Ben voilà, boosté par la foudre. Il est tout joyeux, on dirait. Regardez comment il court.
Là 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 là. Ah, c'est beau. Bon, on a bien ri. Maintenant, il nous faut un parapluie. Un feu vivace. Ah, ça me protège pas complètement le parapluie. J'ai l'impression de prendre un dégât quand même. Ah non, c'est le fait que je suis humide. C'est ça le problème. Je pense. Ah, les viandes, ça sèche pas. Ça va pas être séché avec toute cette flotte qui tombe. Bon. Je regrette limite le baratonnerre là. Allez, vas-y. De nourriture, santé mentale. J'aurais dû faire une tente depuis longtemps. Il va me falloir des pots de cochon assez vite. C'est un bordel mes coffres. Qui est surpris? On a quoi ici? On a des dents ici, 17 dents. Ouais. Faut vraiment que j'y pense aussi. Les cendres, elles sont là. Ouais, c'est un bordel mes coffres. 2 points de nourriture. Ce serait pas mal que ça soit prêt. Puisque je peux manger un bout de glace. Mais c'est bon, c'est prêt. Ah, bon. Respirons de nouveau. Les lucioles, on va les stocker. Hop, on va se refaire un casque parce que celui-là est foutu. Ensuite, niveau arme, on en est où? Parce que là, j'ai un truc à 53%, mais j'ai plus rien derrière. Faudrait retourner au marais. Faudrait retourner au marais, mais... Merci, mais non, merci, quoi. Le bonnet, on peut le larguer. C'est un bordel. Un corbeau. Une viande. Alors pour une fois que je veux une plume, ça se fout de ma gueule. Ah ouais, mais la glace, j'ai tout bousillé moi. Merde, j'en avais carrément besoin. Il faut que j'aille prendre de la glace. Il y en a là juste à côté. Et ça limite aussi là, les œufs pourris là, faut que je prenne. Ouais, parce qu'il faut se préparer pour l'été, surtout l'été qui va être galère. À cette saison-là, ça devrait aller relativement bien. Surtout que les éclairs ne me font pas mal et ils me boostent, ils me soignent. Tout quoi. J'aimerais bien me remettre full quoi. Ça fait un moment que je suis pas complet quoi, mon perso toujours un peu sur la limite. Bon là niveau santé ça va. Hein. Ça y est, je suis remonté niveau santé. Hein. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal parce que j'ai 24 morceaux, c'est bien. Ce serait pas une plume noire, mais c'est impeccable ça, des plumes noires. Il me fallait ça. J'ai encore une tête de cochon ici que j'avais laissé. Peut-être la prendre maintenant d'ailleurs parce que... Bon, après tout j'en ai encore. Soit.
Alors, la glace, dans le frigo, tout de suite. Alors, j'en ai beaucoup trop maintenant. Ensuite. Les bouscons, c'est con ça. Voilà, il faut. La porte est là, donc on va pas claquer ça juste devant la porte. On va mettre ça ici. Une petite graine pour commencer. Non. Puis les graines, pas la glace. Hop. Du coup, je suis un peu loin de mon frigo. J'ai un peu déconné parce que c'est bien. Les viandes sont sèches. C'est noir. Le jour se lève. On perd pas de temps, on remet ça tout de suite. À bouffer. À bouffer, je pourrais limite. Bon, allez, je vais en manger une quand même. Pour dire de, voilà, de remonter un peu, pas galérer. Ça, et allez hop. Bon, ça c'est bon, le petit enclos. Hein. Le petit enclos, on y pensera au buffalo, mais voilà, j'avais dit à l'épisode précédent que je ferais ça, mais je pense pas en fait. Parce que bah oui, c'est cool, j'ai envie de faire les nouveaux trucs que j'ai jamais fait, voir un peu ce que ce together peut m'apporter, mais concrètement, la survie quoi. Parce que là, on a vu, bon, j'ai fait le show aussi, hein. J'étais pas obligé d'aller le fighter, hein, ce géant de con, mais c'est toujours tentant. Mais voilà, décevant quoi, décevant sur tous les points de vue, vu que je n'ai pas eu ni la canne de marche, ni l'objet, voilà, le truc anti-pluie. On va se démerder avec la base, hein. Ça va aller. Ah. Ils sont combien? Ils sont deux. Ça me porte au nez, ça. Alors, comment dire les petits amis? Parce que ça, c'est... Ça, niveau PV, c'est la merde. Hein. Surtout des grands comme ça. On n'est pas sorti. Hein. Mais, alors, ah oui, je peux peut-être les gérer en plantant. On entend un grognement quand je plante. Ah, il y en a un qui s'est calmé. Un petit trophée. Tiens donc. Alors il y en a un qui s'est calmé. Du coup lui est tout seul. Pourquoi pas. Est-ce que je peux jouer de l'esquive avec lui? Oui bien sûr. Voilà. Ça a beaucoup de PV mais c'est très lent hein, donc. Dit-il avant de prendre un coup. Mais arrête tes conneries. Ok, j'ai compris. Je ne suis plus synchro avec toi. J'ai joué les trois coups. T'as beaucoup de PV, hein. J'avais dit. J'aurais peut-être dû l'enflammer, mais bon. Après, c'est la merde. Faut que j'aille le taper au corps à corps. Je vais me cramer aussi, quoi. Donc. Alors ça serait bien que j'arrive à le tuer avant que mon arme se détruise. Sinon j'ai pas d'arme. Ma santé mentale, je suis en train de la bousiller à faire ça. On les meurt. Putain mais. Eh ouais mais ma hache ça va rien faire. Allez viens. De toute façon je vais refaire ouais. Ma santé mentale, je vais être en galère à
cause de ça. Ah, et toi, je peux te tuer au moins, quoi. Je voudrais au moins une victoire à un moment. Ça, l'ombre, sois pas con. C'est pas possible. Deux fois. J'ai plus de protection. Je suis à poil. Mais je viens de refaire mon casque. J'ai pris tant que ça. L'ombre, tu vas pas me lâcher. Hein. Oh mais merde, je me suis remonté ma santé mentale justement pour être peinard avec ça. Bon. L'ombre m'a lâché, mais maintenant j'ai un autre problème. Ah ouais, mais... Non ! Non ! Non ! Merde ! Oh la connerie monumentale, je vais mourir. Putain, je suis en train de cramer tout mon stuff, je suis écœuré. C'est pas du tout ça que je voulais faire. La nuit. 8 points de vie. Putain, mes peaux de cochon, tout quoi, tout. Ah non mais merde. Merde. Ah, je suis écœuré, putain, mais pourquoi? J'ai pas fait gaffe. Putain, mais je voulais juste ouvrir mon coffre quoi. Et pourquoi je réapparais en pleine nuit? Mais... Merde. Merde. Mais merde, je savais pas moi. Mais oui, j'ai pu penser à ça. Ah, le connard. Ah, la mort pathétique. Ah merde. Putain, mais tout était bon là. La partie était pas mauvaise. Et au lieu de ne pas me faire chier avec cette arbre vivant que j'avais pas besoin tout de suite là. Mais voilà, j'étais tellement déçu de l'ancienne partie, voilà, à fuir comme un lâche. Que du coup, ah merde. Bon. Bon bah ceci clôt les épisodes de ce Don't Starve. Épisode 7, bon on aura fait mieux qu'avec Wes, mais alors c'est loin d'être génial. Hein. Mais du coup sans hésitation, je vous le dis tout de suite, prochaine partie avec la guerrière. Et là voilà, parce que bon c'était bien marrant, tester des autres persos, mais je maîtrise pas, là clairement je maîtrise pas. Mais bon, disons que j'aurais plus d'avantages avec... avec la guerrière, ce genre de choses. Mais putain, j'avais juste à attendre la journée, je me ressuscitais et c'était bon. Mais je me suis ressuscité en pleine nuit, comme un con. Mais je savais pas, je me souvenais plus. Ah, je suis vraiment désolé. C'était pathétique. Mais bon, on fera mieux la prochaine fois, on va dire ça. Allez, merci quand même d'avoir regardé, bisous. Salut.